à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la MG42, mitrailleuse allemande pour la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, allons-y, continuons la vidéo. La machine Gewehr 42, ou MG42, était une mitrailleuse allemande pour la Seconde Guerre mondiale. C'était un remplacement à la MG34, très bonne, mais coûtait trop cher dans une nation en guerre et avait besoin de matériaux spécifiques et aussi de main-d'œuvre. Metar und Lauer Warren Fabric Jones, plus âgé, désolé si je me l'ai mal dit, est chargé de la développement de la nouvelle arme en 1939. Pour ses spécificités de balle, elle utilisait un 7,92 mm par 57 calibre de balle. Bien sûr, variant de la type de balle elle utilisait. Originalement, elle utilisait un 7,92 Mauser. Et elle pouvait tirer jusqu'à 1200 coups par minute au commencement de son développement à 1500 coups par minute dans le milieu de 1944. Elle tirait si rapidement qu'elle était que le bruit qu'elle faisait était très distant, était appelé tronçonneuse d'Hitler par les troupes alliées. Elle pouvait être montée sur un camion et aussi un sidecar allemand, un petit peu la Jeep, on va dire, allemand, il ne faut plus utiliser cette expression, environ à l'année 1945, là où l'Allemagne est capitulée, 3090 000 unités ont été fabriquées. Ils ont fabriqué à la fin de la guerre, la machine Gewehr 45 ou MG42V. En tout cas, ceci est la fin de la vidéo. Elle est un peu courte, je sais, désolé. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner et à me dire ce que vous voulez. D'ailleurs, petite info, je vais peut-être trouver un compte Tipeee. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous le voulez, car ça m'intéressera de savoir votre avis. Si jamais j'ouvre. Un Tipeee tout simplement. Donc, au revoir, bye bye, à la prochaine.